Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 101. Après avoir été démasqué par Miguel, Fernanda veut s'échapper, mais la police a encerclé l'endroit. Juan Marcos est choqué de découvrir que c'est elle la meurtrière. L'inspecteur Duval donne l'ordre à ce qu'on arrête Fernanda. Mais Fernanda prend le fils de Juan Marcos en otage. Et les menace de tuer l'enfant s'il ne la laisse pas partir. C'est le choc pour tout le monde. Chez les Del Castillo, Nora a poussé Bernardo dans la piscine, qui est en train de se noyer. Au même moment, Willy arrive et veut sauver son père. Nora l'arrête et lui dit qu'il ne peut pas faire ça, car il vient d'être opéré. Nora se jette alors dans l'eau pour sauver Bernardo. De l'autre côté, Angela commence à avoir des souvenirs. Elle dit à Gustavo qu'elle se souvient d'une bagarre, aussi quand elle a vu l'arme de Gustavo. Elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle était en confiance. Elle demande à Gustavo de lui remettre son arme. Angela prend l'arme et découvre avec stupéfaction qu'elle sait manier les armes à la perfection. Gustavo, aussi surpris, se demande comment une pâtissière sait aussi bien manier une arme à feu. Ce qui inquiète Angela, qui se dit que peut-être, elle est une voleuse. De l'autre côté, Juan Marcos dit à Fernanda qu'il n'arrive pas à croire qu'elle est une meurtrière. Fernanda dit aux policiers de baisser leurs armes, et qu'elle n'hésitera pas un seul instant à tuer le petit. Juan Marcos demande aux policiers de baisser leurs armes, ceux-ci s'exécutent. Juan Marcos essaie de convaincre Fernanda de laisser le petit. Fernanda furieuse accuse Miguel de l'avoir démasqué et qu'elle aurait dû le tuer. Fernanda en pleurs dit à Juan Marcos que tout cela est de sa faute. Et qu'elle a été condamnée le jour où elle l'a rencontré. Fernanda désespérée ajoute qu'elle l'aime à la folie. Mais lui ne l'a jamais aimée et l'a toujours méprisée. Et que tout est de sa faute. Face à ses propos, Juan Marcos est sous le choc. Fernanda continue de pointer son arme sur lui. À la maison, Nora a fait sortir Bernardo de la piscine. Bernardo furieux accuse Nora d'avoir voulu le tuer. Nora a bouleversé s'enfuit, Willy veut suivre sa mère. Mais Bernardo le défend de la suivre, car c'est une meurtrière. Mais Willy n'écoute pas son père, et poursuit sa mère. Bernardo furieux demande à Ophelia d'appeler immédiatement la police. Pour qu'il vienne arrêter Nora, qui est une meurtrière en fuite. Mais Ophelia refuse et lui dit qu'elle n'appellera pas la police. Bernardo est sous le choc. Willy arrive à rattraper sa mère. Willy la supplie de ne pas partir. Nora en pleurs lui dit qu'elle doit partir, car elle est une fugitive. Willy lui dit que maintenant qu'il a retrouvé sa mère, il ne la laissera pas partir. Nora lui promet qu'elle n'est pas une meurtrière, et qu'elle n'a jamais voulu tuer Bernardo. Willy lui dit qu'il la croit. Nora lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il plonge, car il vient de subir une opération. Et qu'elle veut le protéger. Willy est très heureux d'avoir retrouvé sa mère. Tous les deux en pleurs se prennent dans les bras. De l'autre côté, Juan Marcos supplie Fernanda de libérer les enfants. Fernanda exige à la police une voiture pleine d'essence. Mais Duval lui dit qu'elle est encerclée de partout, et n'y ira nulle part. Miguel Valdez propose à Fernanda de libérer un enfant, pour qu'il puisse négocier. Mais Fernanda refuse de négocier avec lui. Et continue de menacer l'enfant. Juan Marcos supplie la police de faire tout ce que Fernanda exige. Juan Marcos lui dit que si elle l'aime autant qu'elle le dit, elle ne peut pas faire du mal à son fils. Mais Fernanda lui signale que Juan Cruz est aussi le fils de Angela, cette salope qui les a séparés. Juan Marcos lui dit de libérer les filles, qu'il est son mari et qu'il va l'aider. Mais Fernanda l'arrête, et lui dit qu'il ment et qu'il l'a épousée par pitié et ne l'a jamais aimée. Fernanda finit par libérer les deux petites, les tireurs d'élite sont en position. Fernanda continue d'avouer ses crimes à Juan Marcos. Elle lui dit qu'elle a voulu qu'ils se tuent ensemble. Et que c'est elle qui avait ouvert le gaz pour qu'ils meurent ensemble. En entendant toutes ces révélations, Juan Marcos est sous le choc. Juan Marcos révolté veut avancer pour la désarmer. Mais Fernanda lui dit que s'il fait un pas de plus, elle jure de le tuer. La situation est très tendue. Chez les Del Castillo, Willy essaie d'aider son père, mais Bernardo furieux le repousse. Il traite Willy et Ophelia de traîtres qui ne veulent pas aider un infirme. Willy furieux reproche à Bernardo de l'avoir caché que sa sœur Fernanda était une meurtrière. Bernardo menace de ramener Nora en prison. Mais Willy s'approche et lui dit que s'il ose appeler la police pour dénoncer sa mère, il jure de le tuer. Après ces mots, Willy s'en va avec sa mère. Bernardo est sous le choc. Dehors, Willy est avec sa mère.
Il lui demande comment elle réussit à sortir vivante de l'incendie, et pourquoi elle ne l'a pas contactée. Nora lui dit qu'elle avait peur. Willy lui demande si Angela aussi est toujours vivante. Mais Nora confuse esquive la question. Elle lui dit qu'elle a tellement de choses à lui raconter. Willy surpris lui demande ce qu'elle a de pire à lui dire encore. Après avoir découvert que sa sœur Fernanda est une tueuse, une véritable meurtrière pleine de haine. Mais Nora lui dit que si Fernanda est devenue ainsi, c'est à cause de Bernardo. Et malheureusement maintenant, ils ne peuvent plus rien faire pour sauver Fernanda. De l'autre côté, Miguel et Samantha profitent que Fernanda soit distraite, pour passer par derrière. Fernanda dit à Juan Marcos que même si elle aime, elle va le tuer. Fernanda pense à un scénario dramatique, où elle tue Juan Marcos, et la police la tue. Ainsi tous les deux meurent ensemble. Fernanda revient à elle, elle s'apprête à tirer sur Juan Marcos. Mais Duval et Miguel arrivent à la maîtriser. Duval lui met les menottes et lui dit qu'elle est en état d'arrestation. Fernanda furieuse hurle et dit à Juan Marcos qu'elle le déteste de toutes ses forces, et que tout n'est pas fini. La police l'emmène ensuite, et la met dans la voiture. Juan Marcos récupère son fils. Miguel arrive et lui explique comment les choses se sont passées pour démasquer Fernanda. Miguel ajoute qu'il a fait ça, pour blanchir le nom de sa sœur Angela. Juan Marcos espère qu'après ça, Angela pourra reposer en paix. Pendant ce temps, Milagros et Gustavo reviennent à la maison. Angela est très angoissée avec tous ses souvenirs. Gustavo la prend dans ses bras pour la rassurer. Il lui promet qu'il la protégera toujours. Chez les Del Castillo, Ophelia inquiète dit à Bernardo, au lieu de s'occuper à remettre Nora en prison. Il doit aider sa fille Fernanda. Ophelia donne le téléphone à Bernardo, et lui dit d'activer son réseau pour sauver Fernanda. De l'autre côté, Fernanda est conduite au commissariat. Fernanda furieuse exige la présence de son avocat. Duval l'informe qu'avec tous les crimes qu'elle a avoués, et toutes les accusations qui pèsent contre elle, elle est complètement fichue. Mais Fernanda lui réplique qu'il ne sait pas qui elle est. Duval ordonne à ses hommes d'envoyer Fernanda en cellule. Fernanda hurle que ce n'est pas encore fini, et qu'elle va se venger. De retour à la maison, Juan Marcos informe Samantha qu'il doit aller au commissariat, car Fernanda est légalement femme. Samantha lui dit qu'elle ne comprend pas comment il a pu se marier avec Fernanda. Juan Marcos lui dit que Fernanda était mourante, et c'était sa dernière volonté, et qu'il avait pitié d'elle. À l'appartement, Willy explique à sa mère que malheureusement lui et Samantha ne sont plus ensemble. Sa mère lui demande comment un si grand amour a pu se terminer. Willy lui dit qu'ils ont découvert que lui et Samantha étaient frères et sœurs. Et que Samantha est aussi la fille de Bernardo. À l'entente, Nora choquée lui dit que c'est faux. De l'autre côté, on frappe à la porte, Gustavo va ouvrir. C'est Miguel qui dit qu'il veut voir Lourdes. Gustavo surpris lui demande qui il est. Au même moment, Milagros débarque au salon avec un gâteau. Lorsqu'Angela le voit, elle est sous le choc et laisse tomber le gâteau. Miguel choqué va vers sa sœur, et demande si elle le reconnaît. Angela confuse tombe dans les pommes. Gustavo demande à Miguel qui il est. Et Miguel lui répond que Milagros est sa sœur. Ce qui choque Gustavo. À l'appartement, Nora assure à Willy, que lui et Samantha ne sont pas frères et sœurs. Et que à cette époque Perla ne fréquentait pas encore Bernardo. Qu'elle était très amoureuse d'un certain garde du corps, du nom de Miguel Valdez. Mais Willy lui dit non et qu'ils ont fait les tests ADN, qui se sont avérés positifs. De plus Samantha et Angela ont aussi fait les tests, qui ont prouvé qu'elles n'étaient pas des sœurs. Mais Nora n'est pas convaincue. Willy lui demande si elle a vu Angela mourir. Nora esquive encore la question, et lui dit qu'elle a beaucoup de choses à lui raconter. Mais pour le moment le plus important c'est Fernanda et qu'il doit aider sa sœur. Willy dit d'accord et qu'il va chercher son carnet d'adresses. Il fait un bisou à sa mère et lui fait promettre de l'attendre. Mais dès que Willy rentre, Nora se précipite pour sortir. Willy revient avec le carnet mais ne la voit pas. Il court la rattraper, lorsqu'il tombe sur Samantha qui rentrait. De l'autre côté, Gustavo essaie de faire pour qu'Angela se réveille. Gustavo dit à Miguel de ne rien raconter sur son passé à Milagros. Car le docteur a conseillé de ne rien lui dire, et l'a laissé se souvenir seul. Miguel accepte. Angela se réveille ensuite et demande à Miguel, s'ils se sont déjà vus, et qu'elle s'est sentie bizarre en le voyant. Miguel lui ment et dit qu'il est un ami de Lourdes. Pendant ce temps, Fernanda a été enfermée en prison. Elle est désespérée et hurle pour qu'on la libère, car elle est Fernanda del Castillo. À l'appartement, Samantha annonce à Willy que sa sœur,
Fernanda vient d'être arrêtée par la police, lors d'une grande opération de capture. Elle ajoute que Fernanda est une tueuse en série, qui est responsable de tout ce qui est arrivé à Angela. Samantha est très triste pour Angela. Et Willy la prend dans ses bras pour la consoler. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais Samantha s'abstient et s'en va. Au commissariat, Juan Marcos furieux dit que Fernanda est une sale menteuse, qui a tué toute sa famille et qu'il espère qu'elle va payer. Duval lui assure qu'avec toutes les preuves qu'ils ont, il va s'assurer qu'elle paie. Juan Marcos ajoute surtout pour l'injustice qui est arrivée à Angela. Duval conçoit cela, et dit qu'il s'en veut aussi pour Angela. De l'autre côté, Gustavo laisse Miguel discuter seul avec Milagros. Milagros curieuse demande à Miguel s'il connaît quelque chose de son passé. Miguel, qui est très heureux de découvrir que sa sœur est toujours vivante, lui dit qu'il ne peut rien lui dire, car le docteur a suggéré de la laisser se souvenir seule. À la pâtisserie, Gustavo informe Lourdes que actuellement Milagros est avec son frère. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, Miguel ne lui dira rien. Gustavo informe Nora qu'ils ont été victimes d'un cambriolage. Mais Milagros savait parfaitement se battre et manier une arme. Gustavo demande à Nora si Milagros est une policière ou une criminelle. Nora coincée reste silencieuse. Au commissariat, Willy veut voir sa sœur, mais Duval lui répond que pour le moment c'est impossible. Au même moment, Bernardo rentre avec un avocat pour Fernanda. Duval conduit alors l'avocat à sa cliente. Bernardo demande ensuite à Willy où est sa mère. Et si elle a encore abandonné, ce qui énerve Willy. Ophelia les calme. Bernardo jure à Willy que c'est lui l'innocent, et que c'est sa mère et la criminelle. À l'hôpital, Samantha est venue voir son fils Nicolas qui est encore hospitalisé. Nicolas lui demande si elle et Willy sont séparés. Samantha lui répond oui et qu'ils ne sont plus ensemble. Nicolas propose à Samantha que si elle veut se mettre en couple avec quelqu'un, qu'elle choisisse son père Esteban qu'il aime beaucoup. Ainsi ils formeront une famille. Nicolas finit en l'appelant maman. En entendant ce mot, Samantha est très heureuse et chamboulée que Nicolas l'ait appelée maman. Elle lui dit que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse lui faire. Samantha très heureuse prend son fils dans les bras et le remercie pour cette joie immense. De l'autre côté, Lourdes a rejoint Angela et Miguel. Miguel continue de faire croire à Milagros qu'il ne vient pas de son passé. Gustavo vient appeler Milagros, qui dit au revoir à Miguel et s'en va. Nora demande ensuite à Miguel si sa fille est en prison. Miguel lui répond oui, et que Fernanda est en prison. De l'autre côté, Bernardo est venu voir Fernanda en prison. Fernanda furieuse demande à son père de tuer Miguel. Bernardo lui dit qu'il est trop tard pour ça. Et que Miguel a déjà remis toutes les preuves à la police. Fernanda lui demande de la sortir de là. Bernardo lui dit avec la vidéo confession que Miguel a donnée à la police. Et le fait qu'elle ait kidnappé Juan Cruz, elle est totalement foutue. Fernanda en pleure et désespérée. À la pâtisserie, Gustavo prend une photo de Angela, sous prétexte que c'est une photo pour la pâtisserie. Alors qu'il veut faire des recherches sur elle et connaître sa véritable identité. Le soir venu, Miguel rejoint Samantha et Juan Marcos. Miguel demande ensuite à Juan Marcos si Angela sera blanchie comme maintenant Fernanda a été arrêtée. Juan Marcos lui répond oui, mais ce sera après le procès car Fernanda va sûrement se défendre. Miguel demande hypothétiquement si Angela était toujours vivante, ce qui arrivait. Juan Marcos lui dit qu'elle devra continuer sa peine de prison jusqu'à ce que le procès l'innocente. Mais Juan Marcos et Samantha trouvent toutes les questions de Miguel bizarres. Et lui demandent pourquoi il suppose qu'Angela est vivante. Samantha ajoute que c'est tout simplement impossible. Mais Miguel les arrête, et leur dit que c'était juste une question qu'il se posait. Plus tard, Willy a été admis à l'hôpital à cause de sa fièvre. Lorena est à ses côtés. Willy est un peu triste, car son fils est aussi hospitalisé dans ce même hôpital. Mais il ne peut pas le voir. Au même moment, Samantha rentre avec Nicolas, qui est venu voir son père. Ce qui fait très plaisir à Willy, Nicolas le prend dans ses bras. Toute l'assemblée s'en réjouit. De l'autre côté, Juan Marcos est venu voir Fernanda à la prison. Juan Marcos en colère, lui dit comment elle put commettre autant de meurtres, et tuer toutes ces personnes. Il est choqué qu'une personne puisse avoir autant de haine dans son cœur. Juan furieux lui demande pourquoi autant de tueries. Fernanda lui dit qu'elle a fait tout ça par amour, parce qu'elle l'aime. Fernanda ajoute qu'elle ne regrette rien, et si elle devrait le refaire, elle referait tout pareil. Ses propos choquent et dégoûtent Juan Marcos.
De l'autre côté, Nora et Angela mettent la table pour le dîner. Angela sort un instant. Lorsque Gustavo rentre tout en colère, il appelle Lourdes Nora. Celle-ci comprend alors qu'il a découvert leur véritable identité. Gustavo lui dit oui, et que après ses enquêtes, il a découvert qu'elle s'appelle Nora, et que Milagros s'appelle en réalité Angela. Quelles sont deux fugitives qui se sont échappées de prison? Gustavo furieux lui demande immédiatement des explications. Nora choquée ne sait pas quoi répondre. Chez les Del Castillo, Vicente veut quitter la maison. Bernardo le traite de lâche, qui s'enfuit lorsqu'il y a des problèmes. Mais Vicente lui dit que lui et Bernardo ont été les complices de Fernanda. Donc celle-ci pourrait les dénoncer. Et que lui ne veut pas aller en prison. Au même moment, Miguel rentre, Vicente en profite pour s'extirper. Miguel dit à Bernardo qu'après Fernanda qui a été arrêtée, le prochain sera lui. Bernardo lui réplique que contre lui il ne pourra rien, qu'il est intouchable. Mais Miguel lui dit de ne pas être aussi confiant. Miguel lui assure qu'il l'aura. Après ces mots, celui-ci s'en va. Bernardo, agacé, pointe son arme sur Miguel Valdez. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.